Bonsoir et bienvenue à mes supporters de la Picolade. Bienvenue où ça où ? Hop, petit pas de lance. C'est pas interdit, donc c'est autorisé. Ah oui, si c'est pas interdit, c'est autorisé. Bon week-end, parce que le vendredi, de dire bon week-end, c'est toujours de bon goût. Allez, composez tout de suite là, maintenant, le 04 84 80 69 deux fois, puisque dans un instant, vous allez pouvoir converser, discuter avec Ludovic Giuli, puisque Ludovic Giuli est l'invité de Night System spécial. Puisque Ludovic Giuli est l'invité de Night System spécial, c'est bien, c'est bien. ONI System. Fidèle au poste. Merci de démarrer votre soirée avec OLTV et OL Play pour la dernière fois sur YouTube également. 04 84 80 69 deux fois. Nous accueillons et je suis ravi, vraiment c'est sincère, Ludovic Giuli. Bonsoir Ludo et bienvenue à toi mon vieux. Comment tu vas ? Je vais très bien. Ça faisait longtemps, mon petit Bart. C'est vrai que ça faisait longtemps. Je suis très content de te recevoir. Bah, déjà, parce que voilà, tu es un personnage que j'apprécie. Deuxièmement, parce que tu as un palmarès énorme et j'adore parler ballon avec les gens qui ont des palmarès comme toi. Et puis la troisième chose, Ludo, pour te dire la vérité, c'est que tu n'as pas du tout la langue dans ta poche. Et pour un animateur, c'est plutôt pratique parce qu'on peut parler d'un peu de tout. Mais juste avant, je voulais te demander quand même. Vas-y, je t'en prie. Non, j'essaie d'être juste toujours. Après, j'essaie de j'aime bien parler, c'est vrai, j'aime bien dire les choses parce que je connais le dont quoi je parle. Mais voilà, mais après, toujours un plaisir de te parler sur toi. C'était gentil, mon Ludo. Est-ce que ça t'a coûté cher quand même, Ludo, d'avoir la langue bien pendue, même si tu viens de me le dire ? T'essayes d'être juste, mais par moments, même quand on est juste, ça oui, passe pas. Oui, ça va. Non, mais c'est sûr, ça plaît pas, surtout dans ce milieu-là et en France. Le mec qui ouvre sa gueule, toujours forcément, on a peur de lui ou il dérange. Donc à partir de là, du moment que j'ai fait et j'ai dit les choses que je pensais, moi je peux me regarder dans une glace, j'ai pas de souci avec ça et ma vie elle est comme ça et je changerai pas pour faire plaisir à telle ou telle personne. Alors justement, il y a pas très longtemps par exemple, tu dis si je joue avec Verratti, s'il est dans mon équipe, au bout d'un moment je lui mets des tartes. Verratti. Alors, J'ai pas dit comme ça. J'ai dit que c'est vrai que je boutais le cul, forcément, ouais. Parce qu'un joueur qui a du talent comme ça et qui sur des bêtises ou est suspendu ou prend un carton, ça me gêne parce que ça veut dire que je l'aime. Ça veut dire que pour moi c'est quelqu'un d'important dans un groupe et dans une équipe. Donc forcément, je vais être exigeant avec les personnes importantes de mon équipe. Après, c'est ma vision. Mm-hmm. Je peux me tromper, hein. Moi, on m'a botté le cul, j'ai rien dit, hein. Alors, justement, tu parlais d'amour. T'es un garçon qui est quand même, selon moi, assez sensible. Est-ce que le milieu dans lequel t'as évolué, c'est pas tout l'inverse ? Parce que, voilà, le milieu du foot, tu le connais sans doute mieux que moi, mais franchement, il est par moments dégueulasse. Ah, mais il est affreux. Après, tu sais, quand t'es joueur, moi j'ai eu la chance dans mon malheur, c'était de me blesser et d'avoir un croisé. J'ai eu 6 mois où, si tu veux, j'ai compris ce que c'était le football, j'ai compris ce que c'était les médias, j'ai compris ce que c'était les amis, et du coup, ça m'a permis de grandir. Aujourd'hui, je retrouve la même chose quand je passe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'ai mes diplômes d'entraîneur et que je peux entraîner, je retrouve la même difficulté à pouvoir démontrer que je peux faire de belles choses, même si j'ai pas d'expérience. Je pense que l'expérience, elle vient sur le tas et j'en ai un petit peu par rapport à ma carrière. J'en ai aussi par rapport à ce que j'ai vécu cette année avec la réserve de Monaco. Donc voilà, je pense que tout le monde a une chance et il faut laisser les gens qui ont envie, quoi. Je crois que quand tu as envie de démontrer et que tu as envie de faire de belles choses, il faut juste tendre la main. Et aujourd'hui, je crois que dans notre milieu, on a un gros problème pour tendre la main. Ludo, on va regarder un peu ton palmarès. Tu as juste un palmarès de fou. Champion de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, une finale de Ligue des Champions, une autre que tu as gagnée, Champion d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Italie, Coupe d'Italie. Enfin, voilà, c'est hallucinant. Est-ce que tu n'as pas le sentiment, malgré tout, Ludo, et tu t'es déplacé parce que ça captait mal sur ta terrasse, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu es un peu sous-côté, Ludo, comme joueur ? Honnêtement, je m'en fiche. Ouais. Ce que j'ai gagné, je l'ai gagné. J'ai joué dans des grands clubs, j'ai côtoyé les plus grands joueurs du monde. C'est comme ça, je veux dire, je ne l'ai pas volé, donc forcément c'est écrit. J'ai eu la chance de pouvoir gagner beaucoup de titres en club.
Donc voilà, donc du coup, honnêtement, je ne suis pas à la recherche de reconnaissance de quoi que ce soit. Juste, je sais de quoi je parle, je sais où je suis allé pour gagner tous ces titres, je sais comment j'y suis arrivé, je sais comment j'ai fait. Donc ça sera la même chose pour moi pour, si je commence une carrière d'entraîneur, je sais où je veux aller. Ludo, ton passage à l'OL, c'est le début de tout, c'est un peu le tremplin, parce que c'est aussi grâce à ton talent, évidemment, mais c'est aussi grâce à l'OL que tout démarre. Quelle image tu gardes de ces années passées à Lyon ? Alors moi, j'ai forcément que des grands souvenirs. J'ai eu la chance de pouvoir gagner la Gambardella quand j'étais jeune, champion moins de 15, champion moins de 17 ans. Forcément, quand tu commences dans ton club formateur, c'est une fierté. Gerland, c'était un stade que j'adorais, où j'adorais jouer. J'ai eu la chance de jouer avec le Meta, avec malheureusement Sassus qui est plus des nôtres. J'ai eu la chance de côtoyer ces grands joueurs, Abedi Pelé. T'imagines, toi, quand tu as 17 ans et que tu arrives là et tu ressors justement à jouer et à avoir des bouts de match, pour moi, c'était une fierté. Après, c'est dommage comment ça s'est fini parce que je voulais vraiment gagner. C'est le seul club où je n'ai pas gagné de titre. Si tu regardes bien dans mon palmarès, c'est le seul club où je suis formé et c'est le seul club où j'ai rien gagné. Bon, je ne parle pas de la dernière année avec Lorient, même si on finit septième et qu'on n'est pas loin de faire la Coupe UEFA à l'époque. Mais tu comprends, je veux te dire, c'est une grosse frustration. On perd la Coupe de la Ligue. C'est la première fois que je perds une finale avec l'OL. Et du coup, une grosse frustration parce que j'aurais pu, je pense, apporter beaucoup plus si on m'avait fait un peu plus confiance. Il y a un élément aussi dans ta carrière de footballeur qui revient assez régulièrement, c'est 20 ou 21 sélections en équipe de France. Tu es au sommet de ton football, de ta gloire, tu es au top. Et ça reste quand même une blessure. La dernière fois qu'on a parlé, je vais te dire la vérité, je me suis dit, il dit que la blessure est fermée, mais moi je ne le crois pas. Il y a toujours un regret quand t'es joueur, forcément. Quand je perds la finale de Ligue des Champions avec Monaco, je dois faire l'Euro, je ne la fais pas. Donc, du coup, déjà, là, ça commence à... Voilà, il y a une histoire, il y a une malédiction avec l'équipe de France, tu vois. Après, il y a l'épisode avec Domenech. Donc, voilà, tout le monde pense que c'est à cause de l'histoire avec sa femme, alors que je me suis expliqué mille fois sur le sujet. Lui aussi est au courant, il n'y a rien eu avec sa femme. Mais bon, et c'est Léon dit... À partir de là, c'est un choix d'entraîneur et de sélectionneur, il faut l'accepter, mais bon, c'est vrai que c'est dur à avaler. C'était dur à avaler. Maintenant, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. 04, 84, 80, 69, deux fois, le grand Ludovic Julie, l'invité d'OL Night System, encore pendant une vingtaine de minutes, et David vient nous rejoindre parce qu'il a des questions à poser. Bonsoir David et bienvenue mon vieux. Bonsoir Bart, bonsoir Ludovic. Salut David, on écoute ta question. Bonsoir. Alors, premier aparté, c'est-à-dire que Ludovic, pour moi, il fait partie des légendes, des lutins de Lyon, et Dieu sait s'il y en a eu des lutins qui étaient des géants, et il en a fait partie. Ma question, elle est simple, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a gagné des choses énormes dans des clubs, et dans des clubs européens, et je voudrais savoir si le projet de Jean-Michel Aulas, un jour de gagner la Coupe d'Europe, est à ses yeux réalisable dans le contexte actuel du football européen, puisqu'il le connaît bien. Est-ce que pour lui, c'est quelque chose, enfin pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable aujourd'hui dans le football actuel ? Merci beaucoup. De gagner cette Coupe d'Europe. Merci beaucoup, David, pour cette jolie question, parce qu'on peut être ambitieux comme l'est le président Aulas. Après, il y a une réalité, voilà, il y a des clubs en Europe qui peuvent frapper beaucoup plus fort, puisqu'ils ont un chéquier beaucoup plus grand. Est-ce que ça limite les chances de l'OL, Ludo, pour toi, tout ça ? Écoute, déjà, il faut dire que Jean-Michel Aulas a fait un travail exceptionnel depuis aujourd'hui. Je crois que c'est le seul président qui a su faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Il faut, chapeau bas, lui dire des fois les choses. Ce qu'il fait avec son club, c'est magnifique. En tant que Lyonnais et en tant qu'amour du football, forcément, c'est quelque chose de fort. Après, des fois, il n'a pas la manière. Ça arrive, c'est comme ça. Mais ça fait partie du milieu et de son personnage. Deuxièmement, j'ai...
Vous me voyez ? On te voit, ouais, tu reviens, bon. Tu vois. C'est de la télévision, pardon. T'inquiète, ouais, on va s'arranger. Ouais, pardon. Je t'en prie. Du coup, et après, sur la question, tu sais, j'ai eu la chance de pouvoir être en finale de Ligue des Champions avec Monaco. Et je crois que du moment que tu as un groupe qui est exceptionnel, un état d'esprit, forcément, il faut un peu de chance dans ce milieu-là parce qu'il faut tomber au bon moment et avoir justement cette aura qui te fait aller encore plus loin et plus haut. Je crois que tous les clubs français aujourd'hui sont capables de gagner cette Ligue des Champions. On ne gagne pas par rapport à un chéquier, on gagne par rapport à un vestiaire. Et je crois que par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas compris ça depuis quelque temps. Alors, ce qui est dur, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas, qui n'ont pas l'attitude du club, ou qui n'ont pas justement le respect du maillot, parce qu'ils sont là juste pour faire des tremplins ou juste faire de l'argent, donc ça devient compliqué. Mais je crois que l'important, c'est quand même avoir un vestiaire et croire en quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde peut gagner, tout le monde. Ceux qui jouent la Ligue des Champions peuvent la gagner forcément. Ça a été le cas pour nous à Monaco. On n'a pas eu, à part Morientes, qui était une star dans l'équipe, on a démontré qu'on était tous des joueurs normaux et qui avaient envie de vivre quelque chose de fort. Tout le monde l'a vu, nous à l'intérieur aussi. Et que je crois que l'OL, que ce soit l'OL ou d'autres clubs français, peuvent la gagner. Là-dessus, j'en suis sûr à 100%. Donc finalement, tu as fait une belle synthèse en disant que si le chéquier est très grand mais que le vestiaire ne marche pas, ça, bah, rien ne fonctionne. Écoute, j'ai été pendant 15-20 ans dans un vestiaire. C'est là où vit sa vie. C'est là où tu vas gagner des matchs. C'est là où il va se passer des choses dans des liens entre les joueurs. C'est là où il va y avoir quelque chose de phénomène que personne ne peut contrôler. Et ça, c'est que les joueurs qui peuvent le faire. L'entraîneur, il doit juste diriger, juste en comprendre sur certains points pas mal de trucs, mais sinon, il doit laisser les leaders du vestiaire gérer ce truc-là. Et tant qu'il n'y a pas ça, tant que tout le monde veut participer, tout le monde veut dire « ouais, c'est grâce à moi ou c'est grâce au président, grâce à l'entraînement », pour remettre les choses au clair, c'est grâce aux joueurs. S'il y a des résultats, après, il y a un management qui est différent par rapport au coach. Mais si tu as un vestiaire, c'est grâce aux joueurs. C'est les joueurs qui font gagner les matchs. Après, c'est juste de l'ajustement avec un coach parce qu'il s'est bien parlé, parce qu'il a fait des bons changements, il a vu des choses, il gère bien son groupe. C'est son métier. Mais je crois que le joueur, s'il n'a pas envie de jouer, il ne joue pas. S'il n'a pas envie de mouiller le maillot, il ne mouillerait pas le maillot. Quand tu regardes un match de foot, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le comportement des joueurs ? Alors, je m'adapte parce que maintenant, comme je suis passé de l'autre côté, si tu veux, j'essaie de plus réfléchir comme joueur. J'essaie de réfléchir comme coach. Qu'est-ce que je pourrais faire à la place de ce joueur qui m'agace, tu vois? Ou est-ce que je le change? Est-ce que je lui parle avant? Donc, c'est toutes ces choses-là que je suis en train d'analyser et de comprendre. Après, si j'étais encore sur le terrain, le mec, tu vois, qui se la raconte et qui veut faire un petit pont parce qu'il croit aujourd'hui qu'un petit pont c'est il va avoir un 8 parce qu'il a fait un petit pont, ça c'est pas d'actualité pour moi, c'est en tant que joueur, hein, je sais pas. En tant qu'entraîneur, il faut gérer le truc et bon, lui dire que bon, c'est bien, mais bon, qu'est-ce qu'il a fait après, ça c'est plus important. Il faut comprendre, voilà, t'as fait un petit pont, mais est-ce que t'as fait un centre, est-ce que t'as marqué, est-ce que t'as tiré. Il faut voilà, aujourd'hui il faut leur faire comprendre que c'est bien. Mais il faut une suite. Est-ce que c'est un privilège de s'appeler Ludovic Juli lorsqu'on veut devenir entraîneur? Ou est-ce qu'au final, ça peut te mettre des casseroles au cul? Non, moi, je n'ai aucun privilège, j'en veux pas. J'en ai jamais eu en tant que joueur et j'en voudrais pas en tant qu'entraîneur. Maintenant, ce que je te dis depuis le début, c'est juste, tu sais, des fois, tu tends une perche, Jean Tigana, il m'a tendu la perche, je pense que je ne l'ai jamais déçu sur la suite de ma carrière. Et je pense que quand on te donne pour la première fois une perche, moi, je serai toujours reconnaissant au club qui va me l'attendre et essayer de faire la même chose que j'ai fait en tant que joueur, c'est-à-dire aller le plus haut possible. Quelle est ta vision de la situation du football français aujourd'hui ? Voilà, je te la fais courte, ça reprend partout, sauf en France. Est-ce que pour toi, c'est une décision qui s'entend ou est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est un peu bizarre ? Alors, ça s'entend parce que forcément, quand ça a commencé, quand il y a eu le virus, on ne savait pas trop où on allait et il fallait gérer la crise au plus rapide. Et forcément, quand on a arrêté le championnat, je pense qu'à un moment donné, il fallait juste tous discuter, mettre en stand-by tout ça et voir comment ça évoluait 2 mois après ou 3 mois après pour justement essayer d'avoir la même reprise et essayer de finir le championnat. La Fédé en a décidé autrement.
C'est pas une mauvaise chose parce que forcément il y a des vies qui sont en jeu et ça c'est beaucoup plus important. Maintenant c'est vrai que ça fait un trou dans les clubs financiers, ça fait un trou au niveau des objectifs et des entraînements au niveau des joueurs. Donc ça devient un vrai problème. Maintenant on a pris cette décision, on peut pas revenir dessus. Il faut justement s'adapter et essayer de retrouver le meilleur fonctionnement pour justement que les clubs puissent repartir et ne fassent pas faillite, parce que ça, sur certains clubs, c'est compliqué de pouvoir relever la tête. Ça va être pour certains clubs vraiment très 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 compliqué. 04 84 80 69 deux fois, bonsoir à toi Jean-Paul. Salut Bart. Salut Jean-Paul. Salut Ludo. Salut. Voilà. D'abord, je voudrais te féliciter pour ta superbe carrière et tout ce que tu as porté à l'OL à l'époque. Alors, ma question est la suivante. C'est gentil. Tu as signé au Barça en 2004, hein, tu avais 28 ans, et Lionel Messi, lui, débutait en équipe première. Il avait 17 ans à l'époque. Alors, je voudrais savoir comment ça s'est passé entre vous au début, et puis pendant les 3 ans où vous avez joué ensemble, si sur le terrain vous aviez une certaine complicité, si tu arrivais à développer ton jeu comme tu le voulais, malgré sa concurrence. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour ta question. Mais alors, si tu veux, la première année, Léo, il avait donc 16 ans et demi, 17 ans, et forcément, on savait que c'était la pépite du club. Mm-hmm. Le club l'a préparé pour justement devenir ce qu'il est aujourd'hui, mais au moins commencer en professionnel rapidement. J'ai eu la chance de pouvoir faire 2 grosses super saisons. Et Léo rentrait de temps en temps. La deuxième année, la première année, on ne l'a pas trop vu. La deuxième année commençait à rentrer des bouts de match. Il s'est beaucoup blessé aussi. Donc, ça m'a permis, moi, de faire mes 2 années pleines. Et la troisième année, il a commencé à reprendre avec nous la saison. Et j'ai eu les 6 premiers mois, j'ai commencé à jouer et Léo me remplaçait. Donc, du coup, si tu veux, c'était ou lui ou moi. Et à partir de janvier, le coach m'a dit, voilà, Ludo, le petit, il va jouer de plus en plus. Donc, ça ne va pas être évident pour toi. Donc, il faut que tu t'accroches. Des fois, on a joué ensemble. Forcément, on n'a pas le même jeu parce que lui, il est gaucher. Moi, j'aime la profondeur. J'aime les ballons dans l'espace. Lui, il aime les ballons au pied. Il a ce système de jeu de Barça, de jouer en mouvement et rapide. Donc, du coup, si tu veux, au niveau complicité, on n'avait aucun problème parce qu'on n'était pas dans le même contexte. Registre. Lui pouvait me donner... Bart. Donc, du coup, si tu veux, ça allait. Après, quand le coach, il te dit ça, il te reste un an de contrat et tu vois que le phénomène qui va arriver et tu joues de moins en moins la fin de saison, tu te dis, waouh, j'ai kiffé pendant 3 ans, j'ai fait 2 années et demie fantastiques. Est-ce que je suis capable de faire une 4e année sur le banc? Parce que c'était ça, le deal. Léo allait jouer... Et moi, j'allais la regarder. J'allais jouer. Il allait me laisser les miettes que le coach voulait me donner. Donc, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? J'ai encore envie de jouer. J'ai encore envie de prouver. Et donc, voilà. Donc, j'ai pris la décision de partir. Mais en tout cas, je n'ai jamais eu de problème avec Léo. Aujourd'hui, on se voit sans problème. C'est un gars qui est exceptionnel. Ce qu'il fait aujourd'hui tout au long de sa carrière, je crois que... c'est unique au monde de pouvoir être au top du top pendant 12-15 ans comme ça, comme il est aujourd'hui, de battre tous les records et de rester avec cet amour. Moi, ce que j'aime moi dans ces joueurs, que ce soit lui ou Cristiano, parce qu'ils sont deux aujourd'hui. Bon, après, moi, j'ai la chance d'avoir connu Léo. C'est d'aimer le football. Les gars, ils sont à fond dans ce qu'ils aiment, dans leur passion. Et je crois qu'aujourd'hui, nos joueurs, ils nous manquent ça. Je pense qu'il leur manque ça. Il leur manque ce petit grain de toi, de plaisir à jouer au ballon, mais même dans ton jardin. Nous, on jouait n'importe où. Je me rappelle à l'époque, je jouais n'importe où, dehors, sur une porte de garage. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Je parle avec mes jeunes, tu vois, j'ai pas ça. J'ai pas cette sensation qu'ils veulent rester, travailler, qu'ils aiment, qu'ils ont la passion du football, tu vois. Et c'est ça qui me chagrine. C'est qu'aujourd'hui, il nous manque ça. Il me manque cet ingrédient-là pour que le gamin, je lui dise, putain, il aime le foot, moi. Tu vois? Et c'est dû à quoi, Ludy, d'après Ludo? C'est dû à quoi? Pourquoi? T'es pas le premier à me le dire, hein, d'anciens joueurs. Dire, quand je vois des gamins jouer aujourd'hui, c'est plus comme avant.
Tu sais pourquoi ? Non. Nous, pour arriver professionnel, il fallait faire les cas, c'est-à-dire moins de 15, moins de 17, DH, CFA et pro. Aujourd'hui, le mec à 15 ans, il a un contrat pro. Mais t'imagines ce que c'est un contrat pro ? Nous, on a, pas qu'on doit trimer, mais il y a des règles, il y a un cheminement. Il y a justement, le gamin, il est bon. Eh ben, on va lui donner ce qu'on a eu, nous. Un contrat aspirant, un contrat stagiaire. Il va progresser parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est que du business. C'est-à-dire qu'un gamin, on va acheter un gamin. On va lui donner, je m'en fous de l'argent, ce n'est pas le problème. Qu'il gagne sa vie, tant mieux. Moi, je ne suis pas contre ça. Je veux juste qu'à un moment donné, on peut donner de l'argent à un gamin, mais il faut lui faire comprendre pourquoi il gagne de l'argent. Et que lui, il nous démontre qu'il a envie de gagner de cet argent et qu'il veut aller progresser dans ce club-là parce qu'on lui a fait, on lui a tendu la perche et on lui a fait signer un contrat pro. Et ça, aujourd'hui, on n'a plus ça. C'est-à-dire que nous, tellement il y a du business, c'est on va chercher des gamins de 15 ans, on va les payer et on va dire, voilà, toi, tu as un contrat pro pendant 5 ans. C'est-à-dire que le gamin, on lui donne tout sur un plateau. Après, il y a les managers, il y a les parents qui sont derrière, qui veulent récupérer. Tant mieux, tant mieux. Juste la base, il ne faut pas oublier la base, c'est de progresser. Un gamin de 15 ans, il n'est pas professionnel, il n'a pas fini sa croissance, il n'a pas fini sa mentalité et comment il doit grandir pour être en haut de l'affiche. Là, on lui dit, bah, tiens, t'es pro, mais t'es en haut de l'affiche. C'est fini. Il a grillé toutes les cartouches, il a grillé, le gamin, il est mort. Il touche 20, 30 000 balles par mois, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Ouais, mais ça va être de pire en pire, Ludo. Oui, mais l'amour du ballon, on l'a plus. C'est ça. Mais à nous les clubs, d'être intelligents, d'arrêter de se monter la seigle et de dire ouais, ben nous, le gamin, il veut pas venir chez moi. Eh ben tant pis, je vais prendre peut-être un moins bon, mais je vais faire travailler pour qu'il devienne aussi bon que l'autre. C'est tout, c'est juste une question de ça. Hein. Parce que moi aujourd'hui, sur 15 gamins de 15 ans, allez, je te donne une équipe complète, 20 gamins de 15 ans, s'il y en a un qui sort aujourd'hui, c'est un phénomène. Un. Je suis même pas sûr que sur 20, il y en a un qui arrive. Parce que le gamin, tu vas lui dire, il faut travailler. Il va dire, mais moi, je ne vais pas travailler. Pourquoi je vais travailler ? J'ai 5 ans, je suis tranquille. Qu'est-ce que je vais prouver ? Moi, on m'a fait signer pro, je vais jouer avec les pros. Pour lui, c'est signer contrat pro, c'est jouer avec les pros à 15 ans. Mais tu as vu ça où, toi ? Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul joueur qui le fait, c'est Mbappé. Mais il a démontré, non ? Démontre, non ? Qu'il a 18 ans ou 19 ans, il a fait des choses incroyables. Mais il le démontre, non ? Je suis d'accord. 0-4. Il aime le ballon. Quand tu parles... Vas-y, termine. Mais quand il parle de ballon, tu sens que le gars, il aime le ballon. Il aime ce qu'il fait. Il aime ça, le jeu. Il aime. Tu le ressens. Il te fait vibrer, le gamin. Tu comprends ? Et aujourd'hui, on en manque de ça. 04 84 80 69. Deux fois, ça parle ballon avec Ludovic Julie. Hein. Et c'est Mehdi qui vient nous rejoindre. Bonsoir, Mehdi. Tu seras le petit dernier. Bonsoir, Bart. Bonsoir, Ludovic. Salut, Mehdi. Ouais. Bah, c'est un grand plaisir déjà de pouvoir parler avec toi, Ludovic. Ça fait déjà un bon moment, une bonne vingtaine d'années que je regarde le foot et j'ai un peu grandi aussi avec toi entre Lyon, l'épopée en Europe avec Monaco et ton passage au Barça. Moi, je voulais juste rebondir sur le fait que maintenant que tu es passé de l'autre côté en fait du terrain, sur le banc, est-ce qu'un jour, voir Ludovic Joly, entraîneur de l'Olympique Lyonnais, c'est quelque chose que tu te vois faire ou est-ce que ça pourrait être un objectif pour toi, en fait, pour la suite de ta carrière ? C'est un rêve, Ludo ? Écoute, tu sais, je suis lyonnais. Forcément, j'ai toute ma famille qui est à Lyon. Et j'ai un plan. J'ai déjà un plan. Le seul problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je veux qu'on me donne ma chance. Et une fois que j'aurai ma chance, je ferai tout pour devenir un entraîneur avec des clubs avec qui où j'ai joué. Je veux retourner. Mon objectif principal et mon objectif que j'ai personnel, c'est de pouvoir entraîner un club où j'ai joué. Ça, c'est sûr à 100%. Maintenant, comme je t'ai dit, je suis tout en bas de l'échelle et j'ai besoin, à un moment donné, que moi, je travaille, mais qu'on me tende un peu cette perche pour que je commence. Et le senti que je vais tout mettre en œuvre pour entraîner un club où j'ai joué, ça c'est sûr. C'est une jolie information que tu nous donnes là parce que finalement, ça ne fait que résumer tout ce que tu as dit sur ta personnalité, ton comportement sur le football, etc. Tu as dit qu'au bout d'un moment, gentil Ghana, quand tu es un gamin, te donne la chance. Maintenant, si tu pouvais boucler la boucle en revenant à l'Olympique Lyonnais, pour toi, ça serait finalement un truc très naturel.
Moi, si tu veux, je suis lyonnais. Je peux pas dire que je suis né à Lyon. Donc forcément, je suis lyonnais. Je suis un gone. Et forcément, tous mes amis, ils sont à Lyon. Mes parents, mon père est à Lyon. Donc, si tu veux, je connais cette ville. Je connais les personnes qui vivent. Je connais le nouveau stade. Je suis allé. Donc voilà, je vois Jean-Michel Aulas. Je le connais depuis que je suis gamin. Voilà, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Revenir, bien sûr, j'aimerais revenir. Et ça, c'est, pour moi, c'est dans longtemps. Moi, d'abord, je commence par le commencement, c'est faire la première marche. Après, on verra. Mais en tout cas, comme j'ai dit à tout le monde, moi, ce que je veux, c'est entraîner où j'ai joué. Forcément, avoir cette sensation, ce plaisir de dire, voilà, merci pour ce que vous m'avez donné, je vais vous le rendre. Je vais vous le rendre d'une autre manière aux supporters, aux présidents qui m'ont donné ma chance. Parce que forcément, je suis comme ça, c'est ma nature, je ne peux pas vivre autrement. Les gens qui m'ont aidé, les gens qui m'ont fait vivre ce que j'ai vécu pendant 20 ans, je ne les oublierai jamais. Donc forcément, si demain j'ai une opportunité de revenir entraîner Lyon, bien sûr, je reviendrai avec plaisir. Eh ben, ça a été un plaisir, mon Ludo, de passer 30 minutes avec toi. C'était toujours un vrai régal. Merci encore, Ludo, d'avoir pris le temps de venir nous voir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Ludo, que justement, deux ou trois fois dans cette émission, tu as parlé de perche, de main tendue, etc. Ça, c'est quelque chose que je peux te souhaiter? Tu aimerais qu'on te donne le petit coup de main pour lancer la machine et monter la première marche? Écoute, tu sais, Bart, tu sais comment c'est dans la vie. Moi, j'avais des managers. J'ai pas de manager. Les gens qui veulent m'aimer, qui veulent m'appeler, ils m'appellent en direct. Il n'y a pas de « on négocie quoi que ce soit ». Moi, je sais très bien ce que je veux aujourd'hui. Je sais que demain, on me donne cette opportunité. Après, le boulot, je sais que je vais le faire. Parce que je me connais et je sais que j'en ai envie. Et j'ai envie de grandir avec ce nouveau poste, avec ce nouveau club avec qui je vais être. Et parce que justement, c'est compliqué aujourd'hui. D'entraîner en France et d'avoir, tu vois, un nom, c'est compliqué. Et d'avoir en plus un peu de caractère comme moi, c'est encore plus compliqué. Ludo, je t'embrasse très fort, au plaisir de partager quelque chose avec toi. Et merci vraiment d'avoir fait cette demi-heure. Merci, mon Ludo. Porte-toi bien et allez l'OL. Quand tu veux, mon pote. T'es gentil. Allez l'OL, hein, Ludo, n'oublie pas. Ciao, ciao. Allez l'OL, allez les gones. Ciao, merci Ludo. On se retrouve lundi soir avec François Pinet, RMC, Canal, W9. François Pinet sera l'invité d'OL Night System ce lundi à partir de 17h30. Je vous rappelle que vous pouvez suivre tous les programmes d'OL TV grâce à OL Play. 1,99€ par mois. Le premier mois est gratuit ou testé pendant un mois. Et ensuite, c'est sans aucun engagement. 1,99€ par mois. Il y a des vieux matchs, des vieilles émissions. Il y a tout l'historique de l'OL. OL Play. Essayez pendant un mois, c'est gratuit. Puis après, vous arrêtez si vous n'aimez pas. Passez un bon week-end et surtout, n'oubliez jamais. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, les gones. Formidable. Bon week-end.